9h30 sur BFM TV. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on évoquera la situation des écoles et ces élèves qui ont froid parce que les établissements ne veulent plus mettre le chauffage. Mais avant cela, cette nouvelle affaire de squat, ou plus précisément de loyer non payé. Ça se passe dans une ferme agricole du Var. Le propriétaire qui sera avec nous dans un instant d'ailleurs accuse son locataire de squatter les lieux. La situation est inflammable entre les deux hommes. Fanny Wegscheider, on fait le point avec vous. D'abord, quels sont les faits ? Eh bien, tout se passe dans le sud-est de la France, dans la commune des Arcs-sur-Argence, dans le Var. Jean-Louis Valton est un agriculteur de 67 ans. L'objet du litige porte sur un terrain agricole de 3 hectares. Souhaitant profiter de sa retraite, eh bien, il loue son terrain à un homme. Ça, c'est en 2016. Le fermage, c'est-à-dire le loyer de cette ferme, s'élève à 1670 euros mensuels. Le locataire s'en acquitte sans problème pendant les 3 premières années, donc de 2016 à 2019. Mais depuis 2019, le problème, c'est qu'il ne paye plus ses loyers. Les arriérés de loyers seraient estimés par M. Valton à 56 780 euros. Jean-Louis Valton fait alors appel à la justice. On est en mai 2021 et le locataire, il dit que le locataire n'exploite pas son terrain loué pour de l'agriculture comme convenu. La justice donne alors raison à Jean-Louis Valton et ordonne donc au locataire de quitter les lieux. Jean-Louis Valton estime que le locataire donc non seulement n'exerce aucune activité agricole sur ce terrain, mais aussi qu'il a détérioré, il a par exemple arraché des arbres fruitiers et qu'il a pollué également par des détritus ou encore des engins sur le site. Il dit aussi que la fille du locataire y exerce sans autorisation une activité professionnelle de réparation de véhicules. Alors, en face, quelle est la version de l'occupant de cette ferme ? Eh bien, le locataire, lui, a fait appel de la condamnation de justice devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, il occupe toujours la ferme de M. Valton. L'homme que notre journaliste de BFM Var, Benoît Ruiz, a rencontré hier, refuse de partir car il reproche, lui, au propriétaire d'avoir arrêté de lui fournir les justificatifs de paiement de 6670 euros par mois, des documents dont il a besoin pour attester qu'il rembourse en fait un achat qui fait l'objet d'un compromis signé entre les deux hommes en 2016, un achat portant sur 250 000 euros donc pour acheter ce terrain. Le locataire se dit par ailleurs harcelé par Jean-Louis Valton et menacé par ses voisins. Vous le disiez, la guerre est désormais totale entre les deux hommes. Merci beaucoup Fanny Wegscheider. Nous sommes donc en direct avec M. Jean-Louis Valton qui est agriculteur dans cette ville des Arcs-sur-Argence, le propriétaire donc de cette ferme. Bonjour monsieur. Oui, bonjour.